Alors, au-delà de ces principes, nous avons beaucoup plus d'avancées dans certains pays en termes de gouvernance des ressources naturelles. Si vous allez au Canada, par exemple, j'avais évoqué le Canada quand on abordait les instruments de gouvernance en parlant des directives canadiennes de transparence et de comptabilité. Mais au Canada, ils ont créé ce qu'on appelle l'Ombudsman canadien indépendant. Ça correspondrait un peu en Afrique de l'Ouest, ce que nous appelons le médiateur de la République. À la différence de l'Ombudsman, ici, le médiateur n'est pas une autorité de saisine judiciaire, alors que l'Ombudsman peut être saisi de plaintes. Par exemple, l'Ombudsman canadien reçoit des plaintes des communautés et bien sûr les soumet aux juridictions pour pouvoir au moins les traiter. Ce n'est pas forcément le cas pour le médiateur de la République. Alors, ici, sa mission, c'est pour garantir la responsabilité ou la redevabilité des entreprises, fondamentalement. C'est pourquoi on l'appelle là-bas l'Ombudsman des droits de la personne. Donc, elle a la possibilité de mener des enquêtes indépendantes sur la base des plaintes qui visent des opérations des entreprises canadiennes à l'étranger, surtout. Donc, voici pourquoi cette notion de ombudsman nous intéresse. C'est que dans mon pays ou dans notre pays, on peut être dans une situation où on n'a pas l'ensemble des instruments nécessaires pour, par exemple, traduire en justice une compagnie. Si elle est canadienne, on a la possibilité de le faire chez eux, chez elle, disons, à travers l'ombudsman qui mènera des enquêtes. Et finalement, si elle trouve que les allégations sont avérés, elle traduit en justice effectivement la compagnie indexée. C'est pourquoi particulièrement cette institution nous intéresse. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'alliance publique-privée pour le commerce responsable des minéraux. C'est une initiative aussi multisectorielle et multipartite. Quand on dit multipartite, c'est mobilise différents acteurs. Et multisectorielle touche plusieurs secteurs. Qui vise à améliorer la chaîne d'approvisionnement des minéraux, exempte de toute forme de conflit, notamment en RDC et dans la région des Grands Lacs. Parce que c'est cette région qui a fait l'objet de plusieurs conflits et de guerres liées aux ressources naturelles, notamment jusqu'à présent au Nord Kivu, où vous avez toujours disons, ces formes de conflits qui minent la zone et finalement la toile de fond, c'est les ressources, comment les maîtriser et comment les contrôler à ce niveau-là. Donc, l'APP, initiative multisectorielle et multipartite. Si vous allez dans la loi Dodd-Frank, j'en avais parlé, qui a été bien sûr abrogée par le régime de Donald Trump, elle implique une disposition qui oblige tous les fabricants à auditer leur chaîne d'approvisionnement et à signaler des conflits nés de l'utilisation des minéraux. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise de transformation de diamants ou de l'or, vous devez auditer la chaîne d'approvisionnement pour être sûr que le produit que vous allez transformer ou que vous allez utiliser dans votre entreprise ou dans votre compagnie, dans votre usine, n'est pas un produit de la guerre. Ça, c'est fondamental. C'est ça l'avantage de ce PPPA. Alors, le PPA soutient des mécanismes de chaîne d'approvisionnement de sorte qu'il y ait beaucoup plus de transparence, mais aussi il s'assure que ça ne résulte pas des conflits. Il y a quelques organismes internationaux qui fournissent un appui fondamental à la gouvernance, au-delà de ceux que je viens d'évoquer. C'est d'abord la Banque mondiale. La Banque mondiale dispose de ce qu'on appelle le EDPS, c'est-à-dire le Fonds fiduciaire d'appui au programme des industries extractives. C'est un fonds avec multiples donateurs. La Banque mondiale, à travers ce fonds, mobilise des ressources à travers plusieurs donateurs pour soutenir les pays sous-développés, mais qui sont riches en ressources naturelles, dans leurs initiatives de gouvernance. Donc, c'est un fonds qui existe au niveau de la Banque mondiale. Il appuie aussi les acteurs de la société civile pour effectivement
disons, promouvoir certains instruments, notamment de transparence et de démocratie dans le secteur des industries extractives. L'ASFI, c'est-à-dire la Société financière internationale, qui est membre du groupe de la Banque mondiale, c'est disons, l'organe financier de la Banque mondiale, elle est la plus importante en termes d'aide au développement dans les activités concernant le secteur privé dans les pays en voie de développement. Donc, l'ASFI prête de l'argent à beaucoup de compagnies qui exploitent dans nos pays. Mais s'il arrive que ces compagnies-là ne respectent pas un certain nombre d'instruments de responsabilité, de respect des droits de l'homme, de transparence, etc., l'ASFI, naturellement, est capable de rompre ses contrats et de financement parce que, tout simplement, ces entreprises ont failli à leurs engagements, que ce soit environnementaux ou que ce soit en termes de respect des droits de l'homme. Donc, l'ASFI ou AFC en anglais joue un rôle important dans la gouvernance des ressources naturelles parce qu'elle fournit des financements importants et aux pays et aux compagnies qui exploitent. Un autre organisme international, c'est l'Union africaine. On en avait parlé dans les échanges précédents. L'Union africaine a créé en son sein, bien sûr, des institutions qui permettent de renforcer la gouvernance des ressources naturelles. D'abord, c'est la Commission économique pour l'Afrique, la CEA. Cette commission joue un double rôle en tant qu'organisme régional des Nations Unies et en tant que partie intégrante du paysage international, institutionnel régional en Afrique. Donc, double rôle. Et composé à peu près de l'ensemble des pays membres ou des États membres de l'Union africaine. C'est ça. Ça dit qu'en Afrique, vous avez 54 États qui sont membres de l'Union africaine. Vous avez autant dans la CEA. Donc, c'est à peu près tous les pays de l'Afrique qui sont membres et dont le but, fondamentalement, c'est de contribuer à la recherche de solutions aux défis du développement du continent. Voilà. Donc, elle est une des 5 commissions régionales et qui a pour mandat d'appuyer le développement local et social, comme je l'ai dit, développement économique et social de ses États membres. Alors, elle dispose en son sein, ou bien elle parraine ou elle sponsorise ce qu'on appelle le Centre africain pour le développement des ressources minérales, AMDC en anglais. Alors, ce centre a été lancé avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et bien sûr ses partenaires. Son siège se trouve à Addis au sein même des bâtiments de la CEA ou de l'Union africaine. Donc, l'importance de ce cadre-là, c'est-à-dire c'est lui qui concrétise la vision minière africaine, c'est-à-dire qui est chargé de la mise en œuvre de la vision minière africaine, la VMA. On en a parlé dans les instruments de gouvernance qu'on citait au niveau continental. Donc, la vision minière africaine, sa mise en œuvre est assurée par ce centre-là. Partout en Afrique. Il dispose de divers experts, des chercheurs, des universitaires, des membres de la société civile qui accompagnent l'élaboration des visions nationales à chaque pays qui sollicite, par exemple, ou qui souhaite élaborer une politique minière ou réviser la sienne. Ce sont les experts, les chercheurs de cette institution-là qui sont mis à leur disposition pour les accompagner en toute matière. En Afrique aussi, nous avons la Banque africaine de développement qui dispose d'un centre africain des ressources naturelles. Le centre africain des ressources naturelles est une entité qui ne donne pas de l'argent, elle ne prête pas de l'argent. Elle est instaurée par la banque, mais elle ne prête pas de l'argent. Mais elle vise beaucoup plus à renforcer les capacités des décideurs politiques à gérer les ressources naturelles. C'est-à-dire qu'elle fournit beaucoup plus un appui scientifique et technique et non un appui financier aux États. Donc, c'est ça son rôle. Et elle mobilise aussi beaucoup d'autres entités, dont la société civile, les institutions régionales, le secteur privé, les bailleurs de fonds, tous. Voilà. Donc, c'est ça son rôle. Et même s'il s'agit de mobiliser parfois de l'argent pour un projet spécifique d'un pays, il fait recours effectivement à ce centre-là, dans le secteur extractif, je veux dire, pour pouvoir au moins
rapporter soutien. Ils donnent des conseils, des orientations à l'ensemble des pays membres qui ont des ressources naturelles. Donc, ils se trouvent au siège même de la Banque africaine de développement. D'autres acteurs clés, c'est les ONG qui sont dans la gouvernance des ressources naturelles. J'ai cité quelques-unes, je n'ai pas cité toutes les ONG, il y en a beaucoup, c'est des dizaines, mais les plus, disons, illustres dans ce combat pour la gouvernance des ressources naturelles, on peut citer Publier ce que vous payez, par exemple. Le CQP est un réseau mondial d'organisations de la société civile qui n'œuvre que pour une gouvernance transparente et redevable des ressources naturelles. Donc, c'est cette thématique unique qui mobilise le CQP maintenant avec toutes les questions qui sont relatives, bien sûr, à la gouvernance des ressources naturelles, y compris les questions environnementales, les questions de genre, le respect des droits des femmes, les questions de transition énergétique, les questions de partage des revenus, mais particulièrement la question de la transparence des contrats. Et je l'avais dit tout à l'heure, c'est ce slogan de Publier ce qu'on paye qui a fait littéralement naître ce qu'on appelle l'initiative pour la transparence dans les industries extractives lithium. Donc, Publier ce qu'on paye est présent dans presque tous les continents du monde et fonctionne avec des coalitions nationales partout. C'est l'ensemble des organisations de la société civile d'un pays donné qui se réunissent pour former ce qu'on appelle la coalition nationale Publier ce que vous payez. Oxfam, qui est aussi membre de Publier ce que vous payez au niveau mondial, est une organisation qui s'est beaucoup illustrée dans la gouvernance des ressources naturelles. C'est une des ONG qui avait carrément un programme industrie extractive pour renforcer la gouvernance de ce secteur en termes de transparence, en termes de respect des droits de l'homme. Et particulièrement en Amérique latine, c'est une ONG qui s'est beaucoup investie pour une mise en œuvre effective du consentement libre, préalable et éclairé au bénéfice des communautés autochtones, notamment les communautés indiennes, qui sont affectées par les opérations. Responsible Mining Foundation produit chaque année un index. C'est pourquoi nous avons mentionné l'index et non l'organisation en tant que telle. Responsible Mining Index ou Responsible Mining Foundation est une fondation aussi qui a pour mission d'instaurer des mesures de responsabilité dans la gestion ou dans les activités minières. Elle produit chaque 2 ans un index qui permet de mesurer les performances des organisations, disons, des compagnies qui sont sous son périmètre. Ils définissent un périmètre sur la base de certain nombre de critères et ils évaluent ces compagnies-là pour le respect de ces critères de responsabilité ou de ces notions de responsabilité, c'est-à-dire une activité minière responsable. Open Society Foundation, c'est la fondation Open Society qui a différentes entités telles que OSISA, OSIWA, mais qui est dans une période de restructuration qui lui permet d'avoir une seule fondation en Afrique. Open Society a joué un rôle particulier aussi durant ces 10 ou 20 dernières années dans la gouvernance des ressources naturelles, qui en a fait un acteur clé d'ailleurs, en appuyant l'ensemble des organisations de la société civile dans leurs efforts de plaidoyer dans ce secteur-là. La Natural Resource Governance Institute, ou Institut de la gouvernance des ressources naturelles, NRGI, qui est connu beaucoup plus sous ce nom, aussi est une organisation clé dans la gouvernance des ressources naturelles. C'est son travail de tous les jours. NRGI renforce les capacités des acteurs. NRGI favorise les réflexions, les analyses, des études spécifiques pour comprendre d'abord le secteur et fournir des orientations ou des recommandations à l'ensemble des acteurs, que ce soit la société civile, le secteur privé et les États. Donc, un acteur clé en termes de production de connaissances dans le secteur extractif. Global Witness est une autre ONG britannique qui aussi travaille dans la gouvernance des ressources naturelles, qui mène des enquêtes en collaboration avec parfois des médias, qui renforce les capacités des organisations de la société civile, de sorte qu'elles puissent être beaucoup plus aptes à mener leur rôle. Mais vous en connaissez d'autres, bien sûr, il y a beaucoup d'autres ONG que vous pourrez lister, il y a ACF,
d'African Climate Foundation, qui est assez récente, il y a 4 ans. Il y a Natural Justice, il y a JVE, Jeune Vert. Il y a beaucoup d'autres organisations qui sont dans la gouvernance des ressources naturelles, mais nous avons préféré citer juste quelques-unes pour vous donner une idée de qui fait quoi dans ce secteur-là. Ensuite, on ne peut pas clore ce chapitre sans parler d'autres acteurs dont, a priori, les missions ne consistent pas à travailler dans la gouvernance des ressources naturelles, mais de par leur fonction, de par leur niveau d'intervention et leur niveau d'influence, ils sont devenus de plus en plus des acteurs de la gouvernance des ressources naturelles. D'abord, les parlementaires. Vous verrez que de plus en plus, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, on a ce qu'on appelle les réseaux des parlementaires pour la gouvernance des ressources naturelles. Ce n'est pas des institutions publiques, mais ce sont les parlementaires en leur sein. Et comme c'est eux qui votent les lois et qui contrôlent l'action du gouvernement, se sont entendus pour créer des associations internes qui leur permet de mener d'autres actions à côté de leur fonction première qui vont dans le sens de renforcer la gouvernance des ressources naturelles. Et en Afrique de l'Ouest, au-delà des réseaux de parlementaires au niveau pays, il y a eu l'initiative de réseau parlementaire ouest-africain qui est composé de l'ensemble des parlementaires qui viennent des différents pays de la CEDEAO. Les acteurs des médias ou les journalistes et les acteurs et les professionnels des médias sont devenus de plus en plus aussi des acteurs clés dans la gouvernance des ressources naturelles. Vous verrez que les médias, certains médias assez puissants font des enquêtes très poussées, très sérieuses, sur des cas de corruption, sur des cas de conflits d'intérêts, sur d'autres cas même de gouvernance, de problèmes de gouvernance dans le secteur extractif. Récemment, au Sénégal, nous avons connu ce documentaire réalisé par BBC portant sur un supposé scandale lié à l'octroi des permis gaziers au Sénégal. Donc, ce sont des exemples pareils, par exemple, de médias qui constituent aujourd'hui des acteurs clés dans la gouvernance des ressources naturelles. C'est le cas pour Africa Leaks, c'est le cas pour Wikileaks. Ce sont à la limite des groupes de journalistes qui ont ensemble mené des enquêtes et sorti des documents qui étaient jusque-là considérés comme des documents très importants dans ce secteur-là et d'autres secteurs, bien sûr. Les communautés impactées restent aussi des acteurs clés en termes de gouvernance des ressources naturelles. C'est elles qui subissent directement les impacts, mais de plus en plus, elles s'organisent en des réseaux, en des associations, même si elles ne sont pas forcément des associations formelles comme les OSC, mais de plus en plus, les communautés s'imposent par leurs manifestations, par leurs actions d'influence, par leur capacité parfois même de bloquer les projets miniers. Ils sont devenus des acteurs incontournables. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'ils font partie des acteurs clés qu'il faut citer ici en parlant des rôles des acteurs dans la gouvernance des ressources naturelles. Les mouvements des femmes. Jusque-là, on avait prêté très peu d'attention à la question du genre dans le secteur extractif, c'est-à-dire comment les activités extractives impactent différemment les femmes que les hommes. Et nous avons remarqué à travers plusieurs études que les femmes subissent les impacts de façon très différenciée. C'est pourquoi beaucoup d'organisations de femmes se sont mobilisées davantage pour pouvoir influencer la gouvernance des ressources naturelles, notamment pour qu'elles puissent prendre en compte la dimension genre, qu'elles soient sensibles au genre. C'est le cas de Open Heroin qui travaille beaucoup plus sur les questions de transparence. C'est le cas de Women in Mining qui travaille sur toute la chaîne de valeur de la gouvernance des ressources naturelles, que ce soit en termes de promotion d'emploi des femmes, que ce soit en termes de protection des droits des femmes, que ce soit en termes de profit que des organisations de femmes pourraient avoir, des retombées positives des industries extractives. Il y a UILDAF aussi, qui est une organisation de femmes qui est beaucoup orientée sur les questions de droit, qui est une organisation panafricaine qui aujourd'hui de plus en plus s'impose comme étant un acteur fondamental de la gouvernance des ressources naturelles, à côté d'autres organes de gouvernance des industries extractives, notamment de femmes. Donc, c'est beaucoup plus un peu cette dimension d'intervention sur la question du genre et des droits des femmes
qui mobilisent toutes ces organisations-là, mais il y en a d'autres aussi puissantes, mais on ne les a pas citées, vous en connaissez certainement. Et l'objet de ces échanges aussi, c'est que vous puissiez contribuer, en sorte qu'on puisse avoir davantage de connaissances plus élargies de la cartographie de ces acteurs-là. Donc, même si vous allez à toutes les CQP, de plus en plus, il y a des associations de femmes membres qui commencent à s'imposer comme étant des acteurs clés dans la prise en compte du genre dans le secteur extractif. Donc, voici de façon ramassée les éléments que je voulais vous présenter sur les rôles des acteurs et leurs interactions. Si vous avez des questions, des commentaires et des contributions, nous restons toujours à votre disposition. Merci beaucoup.